Voici le docteur Bertram Pincus. Date de naissance? Pourquoi? Situation de famille? Passe. Combien de boissons alcoolisées buvez-vous par semaine? Pourquoi vous avez besoin de savoir? Ils veulent savoir. Je suis sûr qu'ils veulent savoir un tas de choses, mais je ne veux pas que mon intimité soit dévoilée au premier venu et à mon insu. C'est une grosse intrusion dans ma vie privée, ça. Attendez que la sonde soit en place. À la suite d'une intervention simple... À très bientôt. Mais c'est terrible de dire ça dans un hôpital. Il va voir les choses différemment. Oh, vous avez une seconde? On a du mal à s'y faire. Est-ce qu'au cours de mon intervention, il s'est passé un truc inhabituel? Ouais, vous êtes décédé. Je suis décédé. Un tout petit peu. Combien de temps? Je dirais 7 minutes. Un peu moins. Je suis mort pendant 7 minutes. Un peu moins. Tout le monde décède. Oui, mais en général, c'est à la fin de leur vie et ça n'arrive qu'une fois. Il peut nous voir. Qui? Les fantômes. Ils sont partout. Ils ont tous besoin de régler des choses. Vous voulez retrouver votre vie peinard, je vous propose un accord. Salut. Ça va? C'est jouable? Vous faites ce truc pour moi et vous ne reverrez plus jamais l'un d'entre nous, ça roule? C'est de ma femme qu'il s'agit. Elle envisage de se marier avec ce fumier. Quelqu'un doit l'en empêcher. La manière la plus simple de briser ce couple serait de semer le doute dans son esprit. Ma parole vous parle de vous. C'est comme ça qu'on fait, ma poule. Ricky Gervais, Théa Léoni, Greg Kinnear. Richard est avocat des droits de l'homme. Il a travaillé 3 années d'affilée avec un groupe de prostituées SDF au Bengale. Vous êtes encore dans le marché du sexe ou... La ville fantôme. Est-ce que tout va bien? Car vous avez la... Oh zut! Regardez, juste dans l'oreille, là.